Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le. Et vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance, et puis à très bientôt. Au revoir. Balabetu, Moyewenu, bonsoir, Mudinda, Ani, Mudilolo. Bande konabiso bayimboka, bawazalendo, mbotenabino, bonsoir. Alors, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, on se retrouve encore. J'ai trouvé deux sujets intéressants. Alors, le premier sujet parle de la réunion ou le dîner que le président de la République a offert aux officiers. Et pendant ce dîner, il a fait un discours sévère. Sévère. J'ai pu trouver un audio de la Radio France Internationale que je vais vous faire entendre. Et le deuxième sujet, ce sera l'accusation ou la réaccusation de John Numbi par Paul Mouilamboué. Paul Mouilamboué a parlé longuement devant le micro de Ndeko Eliezer. Tokomi Wapi. Bon, j'ai pu prendre quelques extraits dessus, hein, c'est autorisé de prendre des extraits. Je vais vous faire voir ça et entendre. Voilà. Alors, nous commençons par le commencement, c'est-à-dire par le président de la République. Eh bien, il a réuni aujourd'hui, les officiers autour de lui, autour d'un dîner. Je me trompe, c'était hier mercredi, voilà. Lors d'une rencontre marquée par un discours fort sur la responsabilité et les missions de l'armée. Dans un contexte de défense de la nation et de l'intégrité territoriale. Il regrette beaucoup dans ce discours que nous avons perdu beaucoup de Congolais, beaucoup de morts. Par notre faute aussi, la faute des Congolais, et surtout par les attaques de nos voisins, surtout le Rwanda. Lors de cet événement, le chef de l'État a adressé un message clair à l'ensemble des militaires présents. Je cite... Nous formons un seul corps, un corps dévoué à la protection de notre nation, de ses institutions, de notre peuple et de notre territoire national. Nous avons le devoir de remplir cette mission, y compris au sacrifice suprême. Si nécessaire, car notre pays est l'objet de convoitises et de tentatives de déstabilisation. Permettez. Félix Tshisekedi a souligné l'importance de la mission de l'armée pour préserver la stabilité et l'ordre en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas nous permettre de léguer aux générations futures un pays instable.
désorganisé et vulnérable aux prédateurs extérieurs. Le président a également encouragé les militaires à rester fidèles à leur mission en promettant que le gouvernement mettra à leur disposition tous les moyens nécessaires pour les honorer pendant et après leur carrière militaire. Il a conclu en rappelant aux soldats qu'ils sont les gardiens de la nation, prêts à sacrifier leur vie pour protéger le pays. Voilà, chers compatriotes, c'est juste un extrait. Je vous laisse entendre un audio, un commentaire de la radio France internationale là-dessus. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi recevait hier à Kinshasa autour d'un repas les officiers supérieurs de l'armée. Les plus hauts gradés de toutes les unités des FARDC étaient présents. Avant le dîner, le président, qui est candidat à sa réélection dans 2 mois, a tenu un discours particulièrement offensif, Patient Ligodi. Les temps ont été graves et le message solennel là. Nous avons perdu énormément de compatriotes, d'abord à cause de l'influence négative de nos voisins, mais aussi de nous-mêmes. Regardons-nous en face, il y a eu des failles dans notre système de défense et de sécurité, a-t-il déclaré devant des officiers et le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Depuis la résurgence du conflit avec le Rwanda, certains officiers ont été arrêtés, dont le lieutenant-général Philemon Yave, accusé de vouloir faire passer les rebelles du M23 pour prendre le contrôle de la ville de Goma. « Je veux tirer un trait sur tout cela », a dit le président. « C'est pourquoi je donne des moyens à l'armée et je vous interpelle. » C'est dans ce contexte qu'une dizaine de nouvelles brigades qui viennent de terminer leur formation seront déployées sur le terrain dès le mois prochain, selon des sources de l'armée. « Nous sommes dans une phase qui est sensible et délicate. Nous sommes à la croisée du chemin. Soit nous réussissons ce défi qui nous est actuellement imposé, soit nous échouons et condamnons notre pays pour longtemps », a-t-il conclu. Officiellement, la RDC privilégie la diplomatie, mais sur le terrain, des groupes qualifiés des pro-gouvernementaux se battent contre le M23. Le renforcement militaire de la RDC et du Rwanda, ainsi que l'absence de dialogue direct de haut niveau, sont autant des signes inquiétants que nous ne pouvons ignorer, a souligné mardi dernier, devant le Conseil de sécurité, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région de Grand Lac. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI. En République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi recevait hier à Kinshasa autour d'un repas les officiers supérieurs de l'armée. Les plus hauts gradés de toutes les unités des FARDC étaient présents. Avant le dîner, le président, qui est candidat à sa réélection dans 2 mois, a tenu un discours particulièrement offensif, Patient Ligodi. Les temps ont été graves et le message solennel là. Nous avons perdu énormément de compatriotes, d'abord à cause de l'influence négative de nos voisins, mais aussi de nous-mêmes. Regardons-nous en face, il y a eu des failles dans notre système de défense et de sécurité, a-t-il déclaré devant des officiers et le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Depuis la résurgence du conflit avec le Rwanda, certains officiers ont été arrêtés, dont le lieutenant-général Philemon Yave, accusé de vouloir faire passer les rebelles du M23 pour prendre le contrôle de la ville de Goma. « Je veux tirer un trait sur tout cela », a dit le président. « C'est pourquoi je donne des moyens à l'armée et je vous interpelle. » C'est dans ce contexte qu'une dizaine de nouvelles brigades qui viennent de terminer leur formation seront déployées sur le terrain dès le mois prochain, selon des sources de l'armée. « Nous sommes dans une phase qui est sensible et délicate. Nous sommes à la croisée du chemin. Soit nous réussissons ce défi qui nous est actuellement imposé, soit nous échouons et condamnons notre pays pour longtemps », a-t-il conclu. Officiellement, la RDC privilégie la diplomatie, mais sur le terrain, des groupes qualifiés des pro-gouvernementaux se battent contre le M23. Le renforcement militaire de la RDC et du Rwanda, ainsi que l'absence de dialogue direct de haut niveau, sont autant des signes inquiétants que nous ne pouvons ignorer, a souligné mardi dernier, devant le Conseil de sécurité, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région de Grand Lac. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI. Voilà, chers compatriotes, vous avez entendu vous-même ce que le président a dit. Soit nous réussissons ce défi qui nous a été imposé, soit nous échouons et nous compromettons notre pays pour longtemps. Ça veut dire l'esclavage, la recolonisation. Vous savez, nous avons parfois honte de le dire. Le Rwanda nous a colonisés pendant plus de 18 ans.
Voilà, chers compatriotes, nous passons maintenant à l'accusation, une nouvelle fois par Paul Mwilambwe, l'accusation de John Numbi qui se prend pour je ne sais pas quoi, pour reprendre le pouvoir au président Félix Tshisekedi. Vous vous souvenez, il avait dit que nous avons donné le pouvoir, nous pouvons le reprendre. Et l'affaire Chebeya l'attend, hein. C'est un sanguinaire, c'est pas plus que un Dracula. Bon, je vous laisse écouter Paul Mwilambwe au micro de Ndeko Eliezer. Tokomi Wapi. Ngai komona ngai Major Paul Mwilambwe Londe. Nani? Major Paul Mwilambwe Londe. Paul Mwilambwe? Oui. O wapi? O kaya dossier à Chebeya oui. Ou bien Zamsus? Kaka yewana. C'est pas possible. Oui. Ezande yo. Ezalinde ngai. Je suis perdu. C'est Major Paul Mwilambwe Londe. Où tu vas? Na où tu es pas ngai? Liboso na zalaki na Belgique. Alors tant on a yogi ke procès e bandi, na décidé en âme et conscience kozonga na pays ko présenter moyen yangai ya défense. On décide Kozonga à Wana Congo. Na Congo. On se retrouva na Belgique ndé. On se retrouva na Belgique parce que muto apusa kinga ina kende exil et c'est là que général John Numbi na Joseph Kabila. Alors balinga ki babu mangai na traversé ba étape ebélé jusque na komaki na Sénégal avec toute ma famille. Et ndenge na zoloba bien que na zongi na mboka famille na ngai ezali kaka na Sénégal. Bah pour ça qu'il y a aucun dans l'exil. Bien sûr. Babo Mayo parce que le salakini. Badinga qui Babo Mangai parce que bah il que ceux qui va convoquer ngai na procès na koloba vérité ndenge makambo ndenge ezalaki. Ceux qui va inviter yo na procès. Oui. Bon après bah menacer yo ou bien yo moka ko bangi okamati ndelo ke. Na bangite position na ngai ezalaki que na comparaître devant la justice, parce que Nazalaki commanda sécurité, il y a inspection générale, il y a la police. Loko, il y a la police, et Nazalaki sous ma responsabilité. Alors même Nazalaka, Nazalakate, normalement, Nakaya Chebeya, Badinga qui va bien gangaï, n'a expliqué ce que Chebeya, comment qui ou pas. Commandant sécurité, il y a inspection générale. Il y a police. Est-ce que commandant sécurité, Azalaka, commandant sécurité à Moutouté, Azalaka, commandant sécurité à bâtiment? Voilà des confusions ici qu'a Azalaki. Batumingi babanda ko kanisa ke ngai nazalaki commandant sécurité ya individu général de John Numbi. Non. Ngai nazalaki commandant sécurité ya loco ya installation ya police. Voilà. C'est ça la différence. Donc musala na ngai ezalaki ko sécuriser ba installation ya police. C'est ça. Kombo na yo lisusu lobi nani? Na lobi Paul Mwilambwe. Yozaki policier ou bien Osaka militaire après comme policier? Oui, nazalaki d'abord militaire, après naye ko intégré police na 2007. Olanda formation Afrika bato ndenge bazaki kolokota bino? Non, ngai eza kolokota te. Nasali académie ya police na Égypte. Nasali académie ya police na Égypte. En matière de protection et sécurisation des installations vitales en Égypte, dans l'académie, il y a police en Égypte. Mais qui soldat, comment ça soldat? Depuis 1997, entrée à Afdel. Il y a parmi les Kadogo. Exactement, dans le Kadogo. Il y a côté là, Afdel, dans le Mbokani. Dans le centre de formation, il y a Kamalenge, dans l'académie, en 1997. Dans cette formation, Tokei a récupéré Lubumbashi. Yo bazuela yo nakalemi. Nakalemi. Nazalaki enseignant na bino. Ndepo na biso. Yo za mtu atanganika. Oui, nazali mtu ya province ya Tanganyika mais nazali originaire ya territoire ya Kabalo. Ah, oui. Jambo da Sophie. Niko na mugeni hapa. Kuna izaba lubakati.
Oui, connais ça balo bakati. Wa kuma. Et yo wa fako. Ça cool. Abi hein. Allez, ça commence bien. Donc, n'entrée ya Monsieur Laurent Désiré Kabila bazubino na Kalemi, c'est ça? Exact. Yo bazuela yo wapi exactement? Ngai au côté la Moussa la soda wapi? Na Kalemi nde sika na zalaki enseignant. Ouais. À l'école primaire. Tango afi. Il faut yeba ke bazolanda biso na Kalemi, bazolanda biso pe na Kabal. Bien sûr. Oui, bien yeba benga ganga na Kabal. Eh, Kaouja. Ah, OK. Oui, bien. Non, j'ai bien. Oui, Kaouja te. Non, non. Alors, oui, bi kilubakati bien te alors. Na yebi kilubakati. Les années langue maternelle na ngai peut-être yonde ozol bayango bien te. Voilà. Alors, Olandi Ozaki enseignant na Kalemi. Nazali enseignant na Kalemi. Musée Laurent Désiré Kabila a cinq bajen, tokota musa ya soda to libéré mboka. Yango wana tokotaki. On ozaki na age ni. Wana nazalaki na age ya 25 à 27 ans. 25 à 27 ans. Oui. Et puis okoti bokeyi bozui Lubumbashi. Tozui Lubumbashi. On s'est retrouvé na Kinshasa ndeni. Après Lubumbashi, tokoti na cour ya renseignement na Lubumbashi. Mm-hmm. Bisonde ba premier officier ya demiap. Ezali bisona na 97. Bozaki na banane. Tozalaki na Badjadjidja qui est général aujourd'hui. Ouais. Donc bango bazali deuxième promotion biso tozalaki première promotion ya cour renseignement na Lubumbashi. Général Djadjidja. Oui, général Djadjidja. Ayebio. Ayebinga très bien, deuxième promotion ya cour renseignement biso première promotion. Na lingina tangela yo ba généraux oyo na sali na bango formation et sika moko général de Jongni Mulongo. Général Mbuya commandant région militaire adjoint na Lubumbashi chargé administration. Ndeba masuwa na ba nangai affectation moko signé par James na cour ya renseignement. Signé par James Kabarebe. Signé par James Kabarebe na cour ya renseignement. To si ici na Lubumbashi ba membi biso na Kinshasa. Ba premier officier oyo bazaya ki formé na demia pe biso. Signature ya James Kabarebe. Wana na mbulani. Wana 1997 na 9e mois. Oui. 9e mois naza déjà 10e mois nazali awa déjà de Kinshasa. Wana ba tiembe tiembe bazo renye na Lubumbashi. Wana bazo renye na Lubumbashi. Biso déjà awa na 10e mois toza déjà awa na Kinshasa. Na 97. Baninga na yo tangi ba généraux yo tikala capitaine. Eza parce que mayele ezala ki penza te. Non, nazali na moi ki civil kaka. Non non, nazali na retard ya élévation ya grade par rapport ya dossier Tchebe. Parce que depuis 2010 naza major. Ce qui dossier Tchebe ya nazala kana problème était mbele de lona sa état général. Non mais Tchebe ya kufina nene. Tchebe ya kufina 2010 naza major. Oui. Na mais wana colonel Djadjidja major même grade que moi. Azaki pe major à son. Commandant bataillon pe na Kinshasa major Djadjidja. Awa na Kinshasa en 2010. Est-ce qu'aye bio? Aye bingai. Tangelanga d'abord ba yebio ba komona. Bako doutete pour na formation na yo, na qualité na yo d'abord. D'accord. Na tangeli yo, général Jacques Mbuya. Azali commandant région adjoint na Lubumbashi. Général Johnny Mulongo. Azalaki ya kokangama na demia pe na dossier ya oyo yo kakike bakanga ki général moko na Zambi. Bamemaki ye awa. Ndeb masuwa na ngai, formation ya Viringita na Kalemi esika moko, formation ya cour ya renseignement esika moko. Voilà na tengeli yo deux généraux déjà ba masuwa na ngai. Super. Okomaki sko policier ndeni. Na komi policier tango na se retrouvé na Goma après rébellion et na se retrouva ki na rébellion. Ti jusque Kalemi. Rébellion wat? Rébellion ya RCD. Ouais. Na se retrouvé na Kalemi. Commandant brigade Nangai Azadi vivant de l'au général de Tangfo, qui était mon commandant brigade second académie sous régime RCD Goma, Nakalemi. Général Tangfo. Tangfo Azadi. Ayebio. Avec certitude dit, Azadi commandant brigade Nangai à 3e brigade Nakalemi. Azadi commandant brigade second Nakalemi. Wana na biloko ya RCD. Ya RCD. Ti RCD est progressé jusque Kalemi et jusque Pueto toujours Pueto. Nde sika na ye ko intégré police na lungwe na armée na côté na police ti avec ba mouvement wana ya ba 1+4 to ye ko se retrouver na Kinshasa
wana ezalaki vuku vuku avec 1 plus 4 peut-être bazuyo te kaka ndenge wana avec ba démarche na salaki na ye ko sala CV na ngai eye ko intéressé général de Mudekereza et général de Migabo oyo azalaki directeur des ressources humaines ya police à l'époque nde aye ko zo ngai batingai dipo nazo continuer ko sala nini ko sala ba CV na ngai dipo ezako lobani dipo c'est-à-dire ezali officier azana fonction te c'est ça na tikali dipo na inspection générale wana déjà général de Numbi akomi nini akomi inspecteur général ya police parce que appellation changea ki à l'époque ezalaki inspecteur il est pas outil armé exactement akomi à la police exactement ouais. Et salemé ki na période wana bato ba outil armé ba côté na police bato ba outil police ba côté na armée salemé ki alors par rapport ya profil na ngai ya officier de renseignement parce que nazaki na document et ya ki ko intéressé ba konzi que azali officier de renseignement top essayer fonction ya commandant sécurité na inspection générale yango wana général Numbi banda ko yoka ngai kaka na kombo physiquement ayeba kingai te alors ba ye ko initier ke nazala wana après général Numbi alobi non ba lobi ke ezali na commandant sécurité moko kombo na ye mwilambwe moko moko azoya na pesi ye lusako amonaki déjà kombo ba komi mwilambwe c'est toi mwilambwe j'ai dit oui c'est moi mwilambwe OK venez me voir na ke komona yo soline atuninga ke kandengo zo tunanga na lobino nonga nazali premier officier ya renseignement formé na Lubumbashi ambo OK ça va après na ibisino mon général na dingi on notifier ngai na fonction o ba pesinga lobi sans problème a sali note d'affectation assigné yango na bandi musala voilà voilà parce que ça c'était une parenthèse hein parce que il faut tokende potozo kende na makambo oyo les plus importants. D'accord. Paul Mwilam. Oui. Na lingi na pesa yo 5 minutes. D'accord. Ya kingana tikalikal. OK. Yo zo expliquer. Quelle est votre version de fait sur le dossier Chebeya? Version ya fait sur des dossiers Chebeya ezali simple. Chebeya azala ki invité ya général Johnny Numbi. Alors, na musalanga na bandai kosala, il faut to éclaircir bato. Général Johnny Numbi na ba audience ya koyamba bato, abanda koyamba par semaine deux fois. Azo yamba mardi de 9h à 14h, azo yamba pe vendredi de 9h à 14h. Pona général Numbi ayamba yo, il faut bato oyo ba koyamba bango mardi. Bakoya d'abord lundi ba s'enregistrer. Tango aye mardi à partir à 9h à komi na bureau parce que azala ki ponctuel effectivement. Ba kotisilie liste ya batuna motif ya koyamba bango abandi kopona batu oyo akoyamba. Soit à partir ya liste à orienter. Oyo nakana ye botinda ye peut-être pas à second. Oyo nakana ye botinda ye moko à orienter na ba oyo mususu akoyamba. Vendredi, c'est la même chose. Azo salakaka bongo. Donc, oyenan veille, oui. La veille, oui. On s'enregistre. On s'enregistre. Et je suis, ouais. Alors, bazo s'enregistre et pas nangaïté. Bazo s'enregistre, wapi, bazo s'enregistre na protocole. Na département ya relations publiques. Alors, ngaïta mounakei Egypte kotanga. Sécurisation des installations vitales na protection ya VIP. Tango na zongi na mboka, na sali rapport e pa ya général Johnny Numbi. Ba kamera ya surveillance ezala kite na commissariat général. Tango na bandi musala. Moutou a proposé ke commissariat général à l'époque inspection générale, ezala na ba kamera, ezali ngai. Nde na sali rapport e pa ya général Johnny Numbi. Na lobi mon général, jamais installation, denge na outi kotanga, jamais koui kozanga ba kamera de surveillance. Na lobi mbo, sala état de besoin. Nasali état de besoin effectivement général Numbi assemblé ba matériel ba installé ba caméra ba installé yango ndenge nini n'entrée principale ya inspection générale ezala ki na deux caméras oyo ezola ki sa mutu azokota na mutu azobima et là na lingina pesa précision ce que comme na commissariat général ya police ezala na ba porte ya bleu et bandaki ko fongwa automatiquement ezali ndenge ba bandi ko benda ba mabende ko tindika yango non
à l'époque ya numbi ezali télécommandé à partir ya ba bureau na ngai soki o moni mutuka ezokota au pointer bouton porte do ezali nini e fumwami azobima au pointer bouton nde système ezalaki kuna wana na entrée principale deux caméras na bureau na ngai nde ezalaki na écran munene ezali na wi caméra okugi kote ya soit 8 comme on a mike mais pona au moins ba image bien il faut otia 2 ou 4. Donc mouvement nyonso ezo salema na inspection générale de la police na zolanda yango à partir ya ba caméra de surveillance ba ye ko installer yango pour la première fois ba congolais technique pour la deuxième fois na initié général de Johnny Numbi non ba caméra oyo ezali il faut ezala na système ya ko enregistrer même ce que événement ezali tokozong en arrière même une semaine total événement ndenge de kaki parce que abanda ko se focaliser mingi komona ba officier paresse oyo basala kamusala te parce que tango ayé na police abanda ko constater que ba officier mingi bazo sala musala te a tout temps bazaka ka libanda yango wana do baki non il faut to banda ko surveiller mouvement ya ba officier soko bazo sala musala après ba ye ko installer ba bureau nyonso ba téléphone alors tango système comme on a dit il faut tout ça enregistrer ba ye na système ya mi balé ba tisi koyo enregistrer c'est-à-dire soki au côté na bâtiment ici katozali au sali mouvement brusque caméra ezo pesa yo signal le kola muntu azu photo c'est-à-dire il y a mouvement suspect voilà ba matériel tozalaki na yango en matière de sécurité na inspection générale. Ouais. Wana isa makambo ya matériel. OK. Ngai mutuna na ngai za. OK. Quelle est votre version des faits sur le dossier Chebeya? Alors, il y a dossier Chebeya. Avant d'abord on a arrivé kuna. Général Numbi azalaki na deux systèmes. Azoya mbabatu d'une manière officielle. Ba mususu azoya mbabango officiel était. Ezali kaka benge commandant sécurité. Par exemple, Katumba Mwanke Azoya. Boyebi déjà azana visiteur monko Katumba Mwanke Azoya. Wana akoleka na circuit protocolaire te. Okomona peut-être ayeba 22h, ayeba 23h, ayeba 0h. Donc to wandaki parfois bozobi ma 2h du matin. Alors nde système azalaki na yango. Oyo akoyamba bango officiellement ezali ba oyo basalaki annonce na bango lundi. Après mardi tango akomi abandi ko pointer oyo akoyamba. Ezaba mususu akoyamba kaka? Non. Nazo yamba muntu te. Deuxième aspect abandaki koyamba batu mususu par canal ya petit na ye major Christian Ngoy. Oyo azaki akobanda bataillon Simba. Alors azo yamba bango comment era Christian aye na muntu? Oh général akoyamba ye. Otuni général bi we. Obie ye moko général ya bengi yo. Non Paul. OK. Christian azo yana batu mibale na koyamba bango. Wana bakoya directement bakoleka na ba circuit protocolaire te pona nini parce que ba element oyo babandaki ko kengela inspection générale bazalaki ba element ya bataillon Simba ya major Christian Go or tangu général Numbi akoti na pouvoir commissariat général ba to babandaki ko kengela yango ezali ba element ya bataillon Simba te bazalaki ba element ya pepe police de police au bazana kadu fungula mais tant général de Numbi banomeye automatiquement batu ya pepe alunguni bango azui batu ya ebalima ya bataillon Simba babandi ko kenge yango wana omona ki chef na bango banjo kisango azalaki na accès directement et pas ya général Numbi parce que batu azo kenge la commissariat général ezali batu ya bataillon Simba alors à chaque fois Christiango abandaki ko yana bapaya sans que le cana circuit protocolaire et que général Johnny Numbi azoya mabango sans problème nakoyi kotanga quelque cas ya bato ya mbaki bango tozali na monsieur Luku Sazala qui s'occupe de DG soki ya RVA à l'époque ya Mobutu ayaki na major Christian Bayambie tozala ki na directeur général ya Biak un certain monde na yebi kombo na yebayaki na major Christian Bayambie tozala ki na ba Gakuru batu ya nani agence ya Gomer ya aviation directement Christian aye na bango parce que babenda comme médaille général Johnny Numbi Banyama na Afrique du Sud na Zimbabwe bakoya sans que na pour na circuit pour protocole mais na caméra na comme na bango et ayambi ba tout ayambi ba tout tel mais na entrée principale bakoti na circuit protocole parce que bakoya directement na mutuka ya major Christian bakoti sans que zala enregistrer c'est-à-dire général Numbi abanda ko yamba tout soit ba enregistrer bango soit ba enregistrer bango te alors pour na kaya Chebeya ouais. Déplacer Zali Gwenga. Ngai personnellement, na yeba ki Chebeya te.
na bandaki kaka koyoka la voix de sans voix koyeba ke responsable ya voix de sans voix chebeyande oyo na yeba ki ete. Un certain jour, le 1er juin, Major Christian aye na chebeya ye moko alobi ke azali mupaya ya ya général compte tenu déjà ke na mesana koyamba bapa ya général numbi sans ko de kana circuit protocolé par canal ya Major Christian Ngoy. Je n'en doute pas. Aye sans kotanga kombo na yete. Aye d'abord afandi na ye na bi aye na ye directement na biro na ngai. Parce que à l'époque déjà ce que comme après 16 heures na salle d'audience ba toazo fana disu jete déjà ba to bandi kobima musala. Ba oyo nyoso ba koya après 16 heures aye directement ba de kisi général ayambi aye na ye na biro. Et que est coïncidé que mokolo wana général John Numbi na biro azala kite. Azala ki na préparatif ya il y a cinquantenaire. Mais naïbi si qu'ils sont non non général azate ayebi singai mais oyo yebi na yaka na bato dans quelques minutes général akokoma et nazala ki confiant parce que ce n'est pas pour la première fois aya na bato général ayambi bango. Là c'était quelle heure Isaac? C'était déjà vers 17h. 17h. Oui. Tango Christian go a présenté ngai que ezamu pa général John Numbi abanda ko yebi singai na Kiswahili. Ayeba ki tukiste soki chebe azolo ba Swahili ou pas. Oro chebeya alobaka Kiswahili. Tango Christiango abini atikingane chebeya, nde chebeya pesinga imbote na Kiswahili. Atangi ngai na kombo, Major Paul Mulambwe. Parce que na teni deja, kombo ezala akalobi Major Paul. Ngai, nazali mu Swahili, nazali mu ntoya Bukavu, azobi sangai na Swahili. Makamunye sulo zo. Lomana na Swahili yangu. Alobi, Major, jambo, mi niko nduku yako, mi niko mtu wa Bukavu. Huko mtu wa Bukavu asema yeye mimi naongea Kiswahili. To bandiko solola Major Ngoyi Christian Ngoyi. Oui. Alobaki na yuna Swahili na Swahili alobaka ni. Alobi huyu ni mgeni wa chef. Usiongee naye jusque chef afanye nini afike. Usiongee. Usiongee naye. Ça. OK. Et c'est ça la réalité. Ce que mon paye aye ngai na ko fandi ça yé kaka. Jusque chef foyer, tu annonces que mon hôtel est à Zaliwana, à Yekozobe, Trissa et Moukoua Koya, à Zouya, à côté de la Genève, à Randa Kosala Bongo. Alors, tant que Christian a quitté, dès que tu as dit que tu as masolo, na tchebe, na kiswahi. Dès qu'elle s'est présentée, non, gai na zali ya la voix de sa mouba, la voix de sa voix est au Yokakayo, des chefs, gai de chef. Wana azali na ba dokima. Bisomi bade, wana to yeba kite, na yeba kite, soki ayaki na nani, ou bien ayaki na nani. Nga ya sanef. Sanke ya koma na komisariat, je, general, atali kambo kwe badobi, akoma ki te. Si kwe ba yeko se trompe, indikasyon ba pesaki ba toba bandai kolande ya cheba, badobi, azo ya na RAV 4. Oro chebe ya akendaki na RAV 4, te, akendaki na Namazda. Imagine mokolo wana soki ere wana batiyaki ya mbisika soki mtu ya RAV 4 alikaki wana alingaki ya zala vi victime oro chebe ya aleki bango na maza ase retrouve deja na entrepre principal tangwe komikuna badomi bo konvoke mwidambwe ba pesi mission Pierre Lumbi avant butu wana deja general Numbi azalaki informe batu oyo bazalaki na reunion ya kukonvoke mwidambwe ba telefone mon general oh, de PSM a wabakobenga un certain mouilambo. Président Kabila a zut téléphone à Bengi général John Numbi. Mais c'est yo oyebisa kingai que bosala ki makambouana sans tracé. Parce qu'a benga ki na dingi koyo ka makele lete. Mais est-ce que tu connais un certain mouilambo général Numbi a lobi? Oui. Mouilambo na yebi, azali commandant sécurité a lobi déjà a lobi nyos. Parce que na kutana ki déjà na général Bisengemana, tango bandi ko sala intérim. Na pesiye version oyo na zoloba mutu oyo azalaki awo na ndenge kei isemble ke babi sengimana soki na balumana bakenda ko solola no situation ezalaki boy baba ndiko zilangana na SNS na moni de general Numbi aye ko penser ko benga ngai parce que na bandai ko benga ye azola baba pele na ngai te na bandai ko benga ye azola baba na moni kaka e komi 22h appelé ya general Numbi mais abengi ngai na numero na ye oyo na yebi ezan resist aye ko benga ngai na numero mususu na ndimi wi allo. Oui, c'est le général John Numbi. Moi, dans vos arabes. Voilà, je suis en train de vous dire. Je dis non, chef, je suis en train de vous il y a quoi? C'est-à-dire, viens et pas nanga. Toi, na lungwe na mutu kati. Kaka mutu kaya krisa, parce que tant que krisa akimi, ya tukaki mitu kanyos. Ti, jusque na Mandela. Na bengi, mon chene. Na komi kaka na Mandela, a bengi ngana nime. Kaka meme numéro 1.
Azo te nizene numéro na yete. Oza wapi na lobi, chef awa na komi na, na Mandela. A lobi, est-ce que ozui appelle ya SNS na lobi? Oui, na uti kozo appelle ya SNS, baza nangai besoin lobi tongo. Nani abengiyo, na explique, Mukinzi. Mukinzi azalaki parce que ya général Union. Union nde azalaki chef ya service spécial, mais colonel Daniel Mukalai azalaki adjoint. Chef ya Mukalai, ya colonel Mukalai. Kombo na ye général Union. Mais parce que na ye, Mukinzi nde muto abengaki ngai. Na pe si réponse na lobi, oh. Yo Mukinzi yo nangai to soda kana na CNCT. Comment ngai officier ya police ba kobenga ngai na CNCT? Siko bazana ngai bezo, batindi ngai convocation ou bien invitation. Nous avons dit que nous avons kokende kunate. Or, ye kokende kunate a planifié que nous avons dit que nous avons dit wana butu. Butu ya le 9. Tokomi le 10. Namoni 7 heures. Conseiller juridique na ye. Ya général John Numbi. Parce que nous avons cabinet juridique. Ba civil nde bazalaki wana. Kombo na yo maître mbayo wa leng. Nde ye kobenga ngai. Kambo na kilubakati. Kamba ujikuwe na lubi na njikuizi yu. Iya kwami. Iya kwami. Yaka ipana ngai. Habi mingi nana nibi. Yaka kaka na kuendike izali kaka na victoire. Nde na zui nzela jiske. Pourquoi na kenda ki paya vete mba? Paske na sada ki bezu na kuta na general de choni numbi. Kula banda kwa yamba bapele na ngai te. Habi kula konseye na ye ngai abengi petete toko kende kuna. Na explike ye situasyon denge esalaki. Ti tangu na komi paya metre mba yo. Azalaki te. Wana metre mbayo atindinga epana na kuti mwasi nanga meye moko azali pa ya general na komi na bengin mbayo komi ba neve mbayo lubi awa nenge tozo solo na zali epa ya general zela après 5 minutes general a benginga ya numero wana ya karate azongeli numero na ye normal mwidambo za wapi na lubi na zali epa ya metre mbayo kanga ba telefone nayo deja batu bazo kende batindi batu bakende bakende ko perquisiser perquisition na ndako ya Christian baza besoin na yo te baza besoin na Christian okay yo fanda wana na kopesa yo ba instruction or le temps que ngana tikale pa yamba yo kuna bazo organiser bato yako ya kwa leve ngai jusque 18h na moni kaka jeep défendeur et koti namba ya koti na moni kaka bato ya koti brusquement na ndako ya mbayo bien kagoulé en tenue civile aye oyo baboye lingai basiko chenga kaka ndenge basala kichebeya bamiminga na mutuka deja na kanisi na lobi awa epana ngai esidi ti to komi na station kaka awa na Mandela ba changer mutuka bamiminga na mutuka ya bourgmestre oyo ba uti kodongo na bourgmestre ya commune ya limité maître Douglas Nkulu a l'époque za ki bourgmestre ya Selembao mais abandako kimide fonction azali bourgmestre ya Selembao mais abandako sala comme conseiller juridique na cabinet général de John Numbi voilà na mutu kana ye ndeba ye comme mangai a partir ya Mandela ti jusque pas na ye na c'était maman Mobutu na ndakona et pas ya maître Nkulu et pas na ye nde sika bakande na ba police wana batikale bazokengela ngai mais événement ya liboso na moni na ye bakeke bakobomangai na kutaki famille na ye wana mwasi na bana ya maître wana de tant que ba komina ngai alongoli bango deja na maye na zali officier de renseignement na comprendre ya ba kobuma ngai alongoli famille alingi ba mona evenement ndenge bazobuma yango wana alongoli famille j'ai compris déjà que pour moi c'est fini ba longoli ngai kagu ba bandi ko traiter ngai olingi o trahir pouvoir biloko ndenge wana tongo etani to komi samedi to komi dimanche ba bandi ko zwa morale na ngai mais bazo surveiller ngai ba mele biso biloko ya kolia oyebi na principe détenu azaka na principe kaka mo moko dimanche ndesika détenu a préparaka kokusa nini kokima pourquoi parce que ba yebi ba autorité mingi bakendaka kuna bato mingi bazalaka distrait siko ngai makanisi nanga nazo surveiller mouvement ya babandi oyo batiaki bakengela ngai tango apesi biso biloko ya kolia lokola bazalaki ba policier bazo pesa ngai ya ngai moko bango pe ya bango ngana zo surveiller mouvement na ngana bimika kaseka na banda ko likabilo ko akoya mbango na sauter miral babandi ko landa ngai to beta masasi o musu swa lebi bo beta masasi te to ko expliquer ni to zali en tenue civile boye bite ke awa pembeni général mukuto afanda o karate wana effectivement général mukuto afanda ka nde kokima
kokima na kimi bango na ye kobata na ba membre ya famille oyo na boy kotanga pendant 9 mois wana procès chebeya ezotoka wana makambo ya polo mwina mwina ba kisango ba kimi ezotoka na lobi na kofanda boyete wana batami wa na batami na ba membre ya famille kote ya aéroport na ke kobomba na kuna na lobi tika na décider na bima tikaka na décider na bima vomie na bima même sokoba ko bomangai ataba to mi bale ba kote mwanye ke to monaki avant na bima na bengi général de bisengemana mon général ta situation ezali boye boye na dingi na bima bisengemana lobi mu dambo ezali fou mais sokoba mba ko bomana lobi mon général bon vomie ba bon na yebi si ye kena ko bima vendredi orongai jeudi na surprendre bango le 14 avril 2011 Mouidambo abimi na commissariat général aux yeux de tout le monde. Batwa dobi Mouidambo abimi vérité et kobima Kinshasa et Ningani. Oyebi ezalaki prévu d'abord ba memanga na service spécial. Agent ya aner na ambassade na biso na Belgique. Atindili yango na Kinshasa. Makambo ozoyo ka polo Mouidambo azozonga eza ya solo en voici preuve. Yango oy. Et comment qui déjà awa? Atindelina. Atindelina ki bango circuit na bango. Yo zana problème na balubakati. Yo d'abord na zomo necho za mulubakati. Na za mulubakati. Na za mulubakati. Deuxième aspect oyo emmingai awa. C'est très important. Na memeli yo eloko oy. Omoni ba photo oy. Eza ba photo ya Afrique du Sud. Oyo Ezali monsieur François Beya. Conseiller caméra ça boyoué. Eza monsieur François Beya. Conseiller ya en matière de sécurité à chef de l'État qui s'est à l'époque. Oui. À l'époque. Na madame oyo mokolo restaurant oyo Afrique du Sud parce que bati drapeau ya Afrique du Sud na ya Congo. C'est-à-dire cette dame est une congolaise. Oyo ezali Jean-Marc Kabundi. Azana photo na restaurant. Ezali même madame. Si ko oyo awa même fille oyo azali awa na Kabundi azali awa na François Béa azali awa na général Johnny Numbi ba se retrouver ndenge nini pourquoi na memi photo oyo tant na bandi koya na posa ki ba condition pour la raison ya sécurité ko zonga na ngai parce que zala ki prévu Monisco est sécurisé ngai ngai na lobi te. Mais bato oyo bazo zonga nyoso na mboka est-ce que bazali sécurisé na Monisco? Monisco ezali force étrangère d'ici là et kokende. Ngai na préféré. Donc on a ndimi déjà kozong. Na ndimi risque wana. Na préféré na za sécurisé kaka na ba mampinga ya biso. Nous devons faire confiance na ba soldat na biso. Mais baza ba policier te baza ba soldat ya garderie républicaine c'est par rapport ya formation na bango. Parce que bango bazali bien formé. Accord et tombaki. Monisco et Kekomona François Béa. Voilà condition pour le Mouilamboué à poser. Le Kolayo, vous avez conseiller spécial à chef de l'État, Mouilamboué a posé condition à la garde présidentielle. Tu recourir et pas na yo, et que nani a fait ça qui a accord. En condition que Mouilamboué tango akoya, a kokota nanda ko oyongai na, na kozoua. Wana de François Béa. En entendant, Beyatango akena Afrique du Sud, akenda ke kokuta na général de Johnny Numbi. Or déjà, yé azali parmi ya ba organisateur ya retour ya Paul Mouilambo. Et que Paul Mouilambo tango azoya a commettre directement nani général de Johnny Numbi en cause. Ayebaki yango parce que première déclaration nanga, ezalaki en 2012. Beyayebaki très bien que retour nanga na commettre en cause général Johnny Numbi na Joseph Kabila. Mais il y a en Afrique du Sud kokutana na général Johnny. Kokutana juabi papa. Awa zela major. Major. Oui. Élément moko ozola kisakuna iza présence ya Fiwan. OK. Fiwan lo bia zana restaurant. Exactement. Oui mais akoya mbaba tunio. Eh bien sûr. Mais place Jean-Marc Kabunda Kabunda. OK. Je le salue là où il est. OK. Batele miso ki na restaurant, okay. Na panneau moko wana. Exact. Kote mso, na moni vie François Beya, na ye la dame. Même panneau. Même panneau. Ok. Mais, général John Numbi, ba vandi je ne sais pas où. Ba vandi ke, même soki ezali na awate, mais oui. Ba vandi quelque part. Oui. Mais ezali na lien moko ko, komen.
C'est-à-dire, moi, na moi, si oyo akutani na batunyon so trois en Afrique du Sud. Awa, azali na Kabound, en Afrique du Sud. Awa, azali na Beya, en Afrique du Sud. Awa, azana général Numbi, en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est oyo za en Afrique du Sud? Oyo ya John Numbi. Parce que c'est dans une maison, ça peut être dans un hôtel. Je vois d'ailleurs, il y a une caméra au-dessus là. Oui. Moi, na moi, si oyo afanda en Afrique du Sud. Oui, mais à quoi qu'il y a awa, akutani na général, John Numbi n'était pas n'importe quel général. Ba service, au moins ba photo oy. Ezana ba service oy to benga ka super criminalité et défense. Ba ko ko détester quelqu'un ezana ki na Afrique du Sud. Oui. Yo ozali des techniques te yo ozali journaliste. Nga na ibi makambo anati. OK. Na moni déjà que ba photo yo yibi na sou yango wapi? Na sou yango ba be jende batindi da kinga yango. Tango na komi adebi polo ko kendete. Parce que mutu azo organiser retour na yo aza contact na général de Johnny Numbi. Il y a risque même procès au conseil de Sayango te bakobo mayo. Nandima kite. Preuve en est que tango na komi beya ayamba kinga le 24 janvier na bureau na ye. Tango na komi awa menace na famille na ngai mwasi na ngai ba menacer ye. Na agent ya ANR o ya za na Sénégal. Parce que ezala ki prévu que le kolanga na mettre fin na demande d'asile ba pesa famille na ngai ba passeport mutu tango ba contacter agent ya ANR alobi d'abord mobali na yo a trahir biso ba katangé to kosala yango te kuna pe c'est un katangé katangé kombo na ye mwilambwe landanga très bien esika na kangami na danger oyo na zo courir na kay komo na be ya sur sur base ya menace oyo ba menacer mwasi na ngai na expliquer ye situation ya makambo oyo ndeko na ngai asalaki na ambassade na makambo mutu azo sala na Sénégal oyebi be ya promettre ngai dans 48 heures et ko salem bazo pesa ordre na pesa déjà ordre ba ko salem papa na zeli yango na lembi après une semaine na yoka be ya wakwatwa. Après kukutanaye après une semaine beya wakwatwa na bandi koloba alors ba belge information ba pesa kingai donc ezali ya solo donc nazalaki en danger na batu oyo bazalaki autour ya chef de l'état ba organiser retour na ngai donc bazalaki contact na général de Johnny Numbi pona basala ngai mabe non mais makambu ya vie François ba yeba keza jalousie na bango. OK ngai na cadre na ngai na lobeli yango na zolia mai na munokote na lobeli yango. Pona kosukisa, c'est très important. Le colonel Daniel Mukala azalaki condamné 15 ans. Est-ce que yebi que le colonel Daniel Mukala azalaki bouc émissaire? Alors bayeko kolati saye chapeau ba commanditaire na ba donneur d'ordre bayeko lati saye chapeau pona manifestation ya vérité. Il continue à être en prison? Oui, il a été condamné à 15 ans. Donc, Etikali 2 ans. Etikali peut-être une année et demie ou 2 ans. Pour le dossier de la colonel Daniel Mukala, il faut que le bayango. Oyo menace ya général Johnny Numbi. Ngai nazali concerné na baninga mususu. Toko za épargner te. Lelo soki Numbi azui ku. Même yo mission na yo na leki okozala bakopakitse mbango. Na lingi na revenir. Parce que batu bawandai koloba ke colonel Daniel Mukala yi alobi makambo vérité te. Denginga na lobaki vérité. Peut-être azalaki na ba raison na ye. Abandaki kotala sécurité na ye. Mais na lingi na apprendre yo. Le colonel Daniel Mukala a été entendu sur PV. Plusieurs heures na auditorat général. Apoati makambo nyos. De A à Z. Mais makambo alobi ezali exploité te na niveau ya auditorat militaire. A poati makambo nyoso sur PV a signé oyo makambo babanda ko s'attendre à lobela yango mais a poati yango na PV bazolobela yango te bato bakomi kimia pona kosukisa ndeko liezer pona lilo il faut tosukisa wana parce que on a tellement débordé. Oui, pona kosukisa ndeko liezer vina ngai ezali en danger ngai na ba membre ya famille. Non seulement na bandai ko zwa menace na ngai moko même famille na ngai ezo zwa menace yango wana nazali incapable ko fana na famille na ngai yao parce que vina ngai ezali menace. C'est-à-dire na lingi na conclure en disant
kokima ya général John Numbe akime eloko mususu te eza retour na ngai ndek misi général John Numbe même soko koboya yango me ngai na lobe yango voilà voilà. C'était Paul Mouilambwe, je vous ai donné beaucoup de temps, vous avez pris certainement beaucoup de temps. Il fallait bolanda ba makambango na procès. Mais awa bolandi ango na Lingala, bolandi ango na émission, nous vous avons donné l'occasion. Monsieur Tambwe n'a fait que recevoir quelqu'un qui avait soif de communiquer, de dire ce qu'il pense. Mais ce qui est curieux dans ce qu'il a dit, c'est que Bapé Siba a tout mission, qui est au sein de la police. Bon, Christian, vous avez dit que vous avez condamné à mort. Il y a un procès en appel de Oyo Tosalaki. Vous avez condamné à mort. Bakangaye. Oui, Bakangaye est dans le Lubumbashi. Vous avez en prison. Vous avez en prison en Dolo. Vous avez en prison. Vous avez journaliste, vous avez en prison. Vous avez tout en prison. Oye bi oubi ozo sala ironie. Aza na prison. Parce que procès ouye sale maki. Procès ouye sale ka. Eza le ki procès an appel. Biso to zale ki condamné à mort trois personnes. Nde to sala ki appel. To zo zelande réouvertire ya procès. Réouvertire ya procès ko zala. Christian Ngoyi condamné. Condamné à mort et renvoyé de la police. Waouh. Oui. Depuis ozo nye exil ozo moni. Na komuna yena di kamboni. Azana prison, gars, Nazadi homme libre, Nazadi acquitté de toutes les préventions. Ce que ma cambo au Nazo le bazar le kuta. Pourquoi justice a acquitté gars? J'ai été acquitté de toutes les préventions. Bah retenir à ta mon côté. Et que Nazane na kobanga te koloba, na yebi ke ba koloba wo ba service à sécurité et ko interpeller yo. Nazo banga wana te, ce qu'il s'agit interpeller ba dinga ki ba banda ko interpeller général de John Numbi. Parce que tant que l'obac a été interpellé, il y a un peu de temps. Ah, parce que l'obac a été politique. Eh, la question de la politique était ils ont dit la vie et la mort. Ils ont dit la vie et la mort. Ils ont dit la vie n'angaï parce que maintenant c'est la général de John Numbi. Ils ont dit concerné directement. Yango wana omonaki na bandaki kotungisa naya na lobela yango na chaîne nayo. Topes d'abord ma chaîne na biso, Valer. Même ceux qui n'ont pas intervenir na ma chaîne étrangère, mais quand même, n'a intervenir d'abord na chaîne na biso. Na monoko na biso. Message na Swahili, na babo bazo landa yo. Otali kamera yango opesi bango nataka kubapatia ujumbe ni moya banduku yango parce que bato beko nasema o Kisekedi alinitumikisha juu ya kutrahir bakatange baache banduku yango mina lianza kuwakize pouvoir yetu ya bakatange depuis 2012 Kisekedi akukua kata ku pouvoir akukua kata na nia ya kusema atakuwa ka president de la republique. Kurudia kwangu se aname e conscience na dirudia kuinchi. Parce que nadikuwa na dossier condamnation à mort. Nadirudia. Banduku yangu musingie mumambo ya kusema onumbi mwanaume mwanaume mwanaume. Apana. Mwanamuluba. Mwanamuluba. Nous voulons des institutions fortes et non des hommes fortes. Tuliona batu beko nguvu. Ba Saddam Hussein. Ba Hissène Habré. Ba Bin Laden. Leo beko wapi. Mwache kufata ile mambo. Kama yeni mwanaume general de John Numbi. Arudie kuinchi a presente mamwaya yake ya defense. Kama yijireproche na kitu si tulitoka bulaya. Tulikuya kupresente mamwaya de defense. Pourquoi ye ata wezi kufanya vini. Anakuwa ni kumenase, kumenase, kumenase. Non. Ache vile bitu wanduku yangu. Aina politike. Ii mambo sana riena voir na president Kisekedi. Na hapa nakuya kuemisyon. Hakuna mtu alinituma na kuya kupresente, kurepondre par rapport ya menace ya general John Numbi. Parce que ile menace, mi niko concerné. Niko cible numéro 1 ya numéro ya general John Numbi. Voilà. Mujilouba. Bana betu, baluba, bana betu bakukabalo kabikwembe, bana betu bakunkongo le miamba yankeba, bana betu bakukademi. Ne balombo la na iya hano ku emission, kui baha eklerisisima ya mianda ya ichili. Ami wanatambile bulaya. Mwanda wakuya kuleta eklerisisima mwanda walufu lwa chebeya. Biebibi sambakanya general John Numbi ke mwa kibilondai. Ibu bela. Aye si mwana mulume etole. Justice kebe kalabe inyema. Justice bekalabe yafonte. Mwafwa. Mwafwa. Eyo. Voilà, il en est fini. Kiluba eki ampe. Voilà. Tosi si émission. Tout ici une ambiance. Ouais. Épisode Ali Bosso Yami Balekoya. Vertige. Lobby Ali.
Ba journaliste akinga kati récupérer la matière, commenter. Nous na zo senga bango. Soki ba moni makambo oyo eza ya lukuta. Ba ya ndekulieze. Olanda kite ndekomende alobaki tango na lobaki déclaration 2012. Ndekomende alobaki nini? Mo la personne qui s'est exprimé à RFI à France 24 n'est pas les Paul. C'est non Mende de vrai Paul Mouyango, c'est un bec. Dans sa vie devant, non, il y a le bâti. Parce que Mende a parlé au nom du gouvernement congolais parce qu'il était porte-parole du gouvernement. Mouyango est bec. Mouyango est bec. Il y a un 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 voilà, il en est fini. On va continuer la série parce que ça donne ça que ça donne. Les quatre épisodes à Liboso. Les Kingakatoa. Allez, nous vous donnons la matière. Des commentaires, des insultes. Comme on a. Honorable député et sénateur, vous avez un rôle à jouer. Vous m'aidez à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand qui quittez le groupe, je vais le dire.